tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la Birchbox. Donc c'est une box qu'on reçoit tous les mois au prix de 13 euros. Voilà, c'est un abonnement mensuel, vous pouvez vous désabonner pardon, à tout moment, vous n'êtes pas obligé de rester si un jour ça ne vous plaît plus ou vous désabonner, il n'y a aucun problème. Donc je vais vous faire montrer ce que j'ai reçu pour le mois de mars. Donc j'ai reçu cette trousse, elle était comme ça dans le carton. Avec le petit nœud rose. Il y avait plusieurs coloris. Moi, j'ai pris celle-ci parce que je la trouve très jolie. Elle sent la piscine. Vous savez, la matière des piscines. C'était le thème belle sous la pluie. Donc, ça fait que elle prend l'eau, en fait. Mais bon, moi, spécialement, je ne sors pas avec ma trousse de maquillage dehors. Et à l'intérieur, il y avait ceci. Il manque un produit que j'ai donné à une amie parce que je ne m'en servais pas. Donc du coup, je vais vous le présenter maintenant et malheureusement, je ne l'ai pas. Donc, c'est... Voilà, c'est ceci. Il est là. C'est le spray pour les cheveux. Donc, c'est une contenance de... Donc, 150 ml, c'est la grande, mais nous, on avait la toute petite. Et c'est au prix de 16,92 €. Voilà, donc c'est le spray ici. Mais je ne l'ai plus, je l'ai donné à une amie parce que j'en ai pas l'utilité vraiment, comme vous voyez. J'ai pas l'utilité. Donc, on va présenter les produits qui sont à l'intérieur, que je peux vous faire montrer. Donc, on a ceci. Donc, c'est une crème corps et body. Voilà. C'est la Baeja Paris. Une crème Moana. Et il y a encore le truc, on va l'enlever. On va l'enlever ensemble. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Voilà. Ah, ça sent bon, hein. Ça sent super bon. Donc c'est une contenance de 30 ml. Donc là il marque 75 ml là-dessus. Donc c'est au prix de 11,82 €. Mais là c'est une contenance de 30 ml. En barre d'infos, je vous mets les prix qu'il y a écrit sur le catalogue. Mais les contenances sont beaucoup plus petites. Donc le prix doit être beaucoup moins cher. Donc voilà. Après c'est des full size. Hein. Donc voilà. Donc c'est... une crème pour les corps et pour le body. Donc voilà pour le premier produit. Enfin le deuxième, parce que le premier je ne l'ai pas. Le troisième produit c'est ceci. Du lait crème concentré, soin hydratant, nutritif, multifonction, tout type de peau. C'est de Embryolise Laboratoire, je vais y arriver. Alors sur le petit fascicule, qu'est-ce qu'il nous dit? Les crèmes concentrées. 30 ml, là actuellement j'ai un 15 ml, donc comme je vous dis, ils sont beaucoup plus petits que ce qu'ils nous annoncent ici. Donc sinon le 30 ml, ah 30,75, d'accord, 30 ml, 6,50 €, autant pour moi. Et le 75 ml, il fait 13,18 €. Ah bah non, c'est 30 ml, là il y a écrit 15. Donc ouais, donc c'est comme des échantillons en fait. Donc voilà, hop, pareil, je ne sais pas si c'est ouvert. C'est pas ouvert, on va l'ouvrir. Je vais les concentrer. Hop, oh bah, super. Ça n'a pas d'odeur particulier. C'est du lait concentré, quoi. J'en ai mis partout, mais partout. Vrai cochon, celle-là. Donc voilà, donc pour le prochain produit, j'ai reçu ceci. Donc c'est marqué make-up sponge, éponge à maquillage, on appelle ça bien sûr un beauty blender. Donc sur le fascicule il est ici, voilà, donc on sait tous ce que c'est, 9,34 € prix abonné le beauty blender. Donc vous pouvez faire le teint, donc le fond de teint et aussi le correcteur, enfin l'anti-cerne avec, voilà, donc il est tout neuf parce que j'en ai tellement que j'utilise pas celui-là, donc voilà. Et le dernier produit c'est de chez Madakadar Beauty, donc c'est celui-là, donc c'est un highlighter, encore une fois j'en avais déjà eu un dans la Glossy Box, j'en ai un autre, un highlighter qui coûte 15,73 €, donc voilà, je l'ai pas encore ouvert non plus. Donc ça rehausse les pommettes et ça illumine le regard. Je lis ce qu'il y a écrit sur le... Hop. Voilà.
Donc c'est un highlighter. Je l'ai dégueulassé, c'est magnifique. C'est pas grave. Donc voilà pour les produits que j'ai reçus dans la Birchbox du mois de mars. Donc c'était sur le thème Belle sous la pluie. Comme vous voyez, il y a plusieurs coloris de trousse. Moi, j'ai pris celle-ci. Franchement, elle est top. Donc voilà, donc le fascicule avec le thème Belle sous la pluie. Les produits, voilà. Les produits et le mois prochain, c'est marqué en avril, ne te découvre pas d'un fil, certes, mais sois tout de même audacieuse et prête à relever tous les défis beauté, cela va de soi. Nous vous invitons donc à réviser dès à présent vos basiques et à vous tenir prête pour l'interro. Voilà, on a juste ça comme spoiler pour le mois prochain. Donc on verra ce que ça nous réserve. Ils sont déjà en train de faire les prélèvements sur les comptes, donc à mon avis, ça va pas tarder à partir. J'ai mis énormément de retard pour vous présenter celle-ci parce que je viens juste de créer ma chaîne YouTube. Du coup, j'ai présenté les deux en même temps. Enfin, la Glossy Box il y a quelques jours et là, je vous présente la Birchbox. Mais pour les box que je vais recevoir là, au mois d'avril, je vous ferai ça en temps et en heure. C'est promis, je n'aurai aucun retard. Donc voilà, donc sinon pour le point positif et le point négatif pardon, de la Birchbox, point positif, j'aime beaucoup la trousse. Elle correspond vraiment avec écrit Birchbox là, correspond vraiment aux attentes. Par contre, les points négatifs, c'est les produits. C'est que la plupart des produits que j'ai reçus ne me correspondent pas vraiment. Donc, du coup, à chaque fois, je suis obligée de les donner à ma petite sœur. Ils ne me correspondent pas vraiment. Mais bon, il y en a que je garde quand même. Mais on verra le mois prochain. Et comme je vous dis, si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désabonner à tout moment. Donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien pour vous abonner à Birchbox si cela vous intéresse, bien sûr. J'essaierai de vous trouver un petit code promo si j'arrive à en trouver un et je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà, donc en attendant, sinon je vous retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. J'essaierai de faire 2 vidéos par semaine. La semaine prochaine, je vous prépare 2 vidéos, dont un haul bébé et une vidéo où je vous parlerai de certaines choses. Et je vous rappelle qu'il y a un vlog qui sortira le 8 avril avec mes amis à Paris, avec une journée shopping, où je vous emmènerai à Primark et tout, vous verrez, où je vous ferai un haul par la suite. Et on ira au musée Grévin pour aller voir la statue de Kenji Girac qui est sortie il y a peu de temps. Donc voilà, donc j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bye!